Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ou l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce vendredi, en la fête de Saint Vincent de Paul, laissons le Seigneur envahir notre cœur et autour de son autel, célébrons donc les saints mystères de notre Eucharistie. Et au début de cette messe, reconnaissons notre péché, notre orgueil. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi les hommes et vous aussi de prier. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Agnus Dei, Filius Patris, vita lis peccata mundi, miserere nobis, vita lis peccata mundi, suscipe deprecationem Qui sed ex ad exterram patris, miserere nobis, quoniam tus solus sanctus, tus solus dominus, tus solus altissimus, Iesu Christi, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à Saint Vincent de Paul toutes les qualités d'un apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour découvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien. Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut s'enorgueillir, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours en fera mémoire du juste. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons, en cette fête de Saint-Vincent de Paul, tout à l'heure demandé dans l'oraison qui ouvrait la messe, d'aimer ce qu'il aimait. Et d'aimer ce qu'il aimait, on pourrait l'écrire à la fois de deux façons, d'aimer cela même qu'il aimait, ou bien d'aimer ces personnes qu'il aimait. Et si nous l'avons demandé à Dieu, c'est que nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes la force d'aimer ceux, C-E-U-X, qu'il a aimés ou qu'il nous faut aimer, c'est-à-dire la force d'aimer tout le monde. Les meilleurs tempéraments sont capables d'aimer les gens aimables. Jusqu'à un certain point. Mais comment aimer et comment aimer quotidiennement ceux qui ont le don, par exemple, de nous irriter en tout? Comment aimer quotidiennement ceux qui ont le don de dire ce qu'il ne faut pas dire, de préférence à la personne qu'il ne faut pas et au moment qu'il faudrait l'éviter, surtout, car ce ne sont là jamais que des défauts extérieurs. Comment aimer ceux en qui notre regard humain ne peut trouver rien de véritablement bon, croit-on ? On le demande donc à Dieu. Alors, notre regard humain peut se convertir et devenir un regard de miséricorde. Le premier regard de miséricorde que nous pouvons alors avoir, mais il est sur nous-mêmes. Et il nous incite à avoir ce même regard sur ceux qui nous entourent, à ne pas les juger avec un regard qui plonge, descend, même s'il est parfaitement lucide, mais au contraire avec un regard qui descende et qui descende encore plus bas et qui soulève vers le haut. Le regard chrétien, comme Dieu sait s'abaisser pour soulever. Il ne descend pas en piqué sur les êtres qu'il juge, quand bien même ce serait avec lucidité. Et puis, ce regard est un regard de charité, c'est-à-dire que comme Dieu, la charité divine qui nous est donné en participation, mais est absolument lucide.
Elle sait reconnaître ce qui est réellement un défaut extérieur. Elle sait reconnaître ce qui est aussi, voire même une tare intérieure. Mais tout cela, elle les voit de deux façons. D'une part, comme un endroit où la miséricorde et la grâce vont devoir s'exercer pour guérir. Et alors, c'est à la prière qu'on est appelé pour cette miséricorde et cette grâce en autrui comme en nous-mêmes, et aussi comme des endroits dans ces vies des autres et dans leur propre cœur qui sont autant de lieux de souffrance. Car nous sommes tous, tant que nous sommes, les premières victimes de notre absence de sainteté. Alors, c'est une forme de compassion. On compatit avec. Ainsi, nous avons eu raison tout à l'heure de demander à Dieu qu'il nous fasse aimer ceux qu'il aimait. Et nous aurons dans l'Eucharistie ce qui nous donnera pas seulement la force, comme un coup de pouce, d'aimer ceux que nous aurons à aimer et qui ne sont pas aimables parfois, mais même d'aimer ceux que nous aurons à aimer et qui ne sont pas aimables, de l'amour même dont Dieu les aime, c'est-à-dire d'un amour lucide et de miséricorde. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu, salut Dieu. Seigneur, tu as donné à Saint Vincent la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur les membres de la famille Guilbault pour qui cette messe est offerte, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire. Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agnus Dei. Talis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui talis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Talis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Da du nun mir ans Kreuz gestorben
geschlagen, ans Kreuz geschlagen und selbst gesagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Bin ich von Sterben frei gemacht, bin ich von Sterben frei gemacht, von Sterben frei gemacht. Bin ich von Sterben frei gemacht, vom Sterben frei.
Prions encore le Seigneur. Déjà réconforté par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, permets que l'exemple de Saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant pouvoir prier devant la Sainte Couronne d'Épines, comme chaque vendredi, pendant toute cette année, que cette couronne nous rappelle tout ce que le Seigneur a fait pour nous, pour que nous nous aimions les uns les autres, à commencer par nous-mêmes, mais aussi nos frères, pour changer ce monde, car la moisson est abondante et les ouvriers sont parfois peu nombreux. D'un sermon du bienheureux John Henry Newman. Sans un véritable amour pour le Christ, nous ne saurions être ses véritables disciples, et nous ne saurions l'aimer si notre cœur n'est ému de gratitude envers lui. Et nous ne saurions ressentir dûment cette gratitude si nous ne ressentons vivement ce qu'il a souffert pour nous. En vérité, il nous semble impossible que quiconque puisse atteindre à l'amour du Christ s'il n'éprouve aucune détresse, aucune angoisse de cœur à la pensée des amères douleurs qu'il a souffertes et ne ressent aucun remords d'y avoir contribué par ses péchés. Un jour, mes frères, nous nous lèverons. Chacun de nous se lèvera de sa tombe et verra Jésus-Christ. Et nous verrons celui qui fut suspendu à la croix. Nous verrons ses blessures. Nous verrons les plaies de ses mains, de ses pieds, de son côté. Avons-nous le désir d'être de ceux qui gémiront et se lamenteront?
ou de ceux qui se réjouiront. Si nous ne voulons pas nous lamenter alors à sa vue, nous devons nous lamenter à présent en pensant à lui. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Venons en sa présence aussi souvent qu'il se peut. Essayons de nous figurer que nous voyons sa croix, que nous le voyons sur cette croix. Alors, approchons-nous de lui. Supplions-le de nous regarder comme il a regardé le bon larron et disons-lui, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras en ton royaume. » C'est-à-dire, « Souviens-toi de moi, Seigneur, avec miséricorde. Ne te souviens pas de mes péchés, mais de ta propre croix. Souviens-toi de tes propres souffrances. Souviens-toi que tu as souffert pour moi, pécheur. Souviens-toi, au dernier jour, que j'ai, durant ma vie, ressenti tes souffrances, que j'ai souffert sur ma croix à tes côtés. Souviens-toi alors de moi et fais-moi à présent souvenir de toi. »
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et nous a donné le bonheur, quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, demeurons dans la paix du Christ. Rendons grâce. Avant de nous confier, comme chaque soir, à Notre-Dame, à Marie, une fois n'est pas coutume, je voudrais souligner, par des remerciements, celles et ceux qui nous aident à réaliser cette Eucharistie du vendredi soir et cette ostension de la Sainte Couronne d'épines. En particulier les téléspectateurs de KTO, dont je remercie, je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux, de leurs prières. Vous, mes frères, vous êtes presque 500 ou plus. Il me souvient qu'il y a 10 ans, quand je suis arrivé à cette messe que je célébrais déjà, nous étions 50, faut le dire. Les chevaliers du Saint-Sépulcre, qui sont là tous les vendredis, que je remercie beaucoup, ils témoignent ainsi de leur foi et l'attachement à l'Église. Bien sûr, les clercs, bien sûr, M. Castagnier à l'orgue de chœur et les chants, ce soir c'est Pierre, le chanoine Sicard qui a préparé cet office avec tout son cœur et qui ce soir qu'on célèbre, les sacristains, les régisseurs, pour qu'il y ait des cloches, de la lumière, des bougies. Bref, c'est ça, l'Église, et de tout cela, on peut remercier Marie. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules ieve, a te suspiramus, gentes et flentes, in ac lacrima umbrae. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum potum ventris tui, nobis post hoc exilium, hoste.